l'arbitraire dit dat. Maar wat gebeurt Langerlein? Nog steeds geen deel van renners, wel motoren. Die komen aan de bocht. Dat zeg jij hoor. Je zal maar zeggen, maar 10 minuten. Toujours ensemble. David et Apollonio, probablement le meilleur jeune de l'étape, se trouve à 50 secondes. Donc attention pour David et Apollonio, le meilleur jeune, il faut se présenter simplement au podium. Et voilà donc encore des voitures avec les drapeaux rouges. Bientôt les coureurs. De nouvelles actuellement. Ja, we gaan dus die provinciale weg verlaten. We gaan dadelijk aan de eerste sprint meters beginnen. De laatste beklimming. Daar gaan we nu zo dadelijk aan beginnen. Le peloton se trouve à plus d'une minute. Donc ils se sont approchés doucement, mais ça ne joue plus parce que la victoire de Vidal va se jouer entre les 7 hommes de tête. Je le cite encore une fois, Philippe Gilbert, Niki Terpstra, Ramon Asnabortowska, David Tanner, Tony Overland, Jos Valais et Mathieu Helminen. Mag ik dadelijk de eindsprint vanwege de boning? Vijven weer de seconde is nog maar het verschil. Apollonio nadert hem. Betekent dus dat de koplopers meer naar elkaar kijken. En het peloton komt op 55 seconden. Maar dan onze peloton zit een surprise die s'approche à 55 seconden. Des hommes de tête qui se regardent bien sûr. Qui se regardent dans la montée. Rivaliteit tussen Gilbert en Terpstra. Meer dan waarschijnlijk, want die staan kort in het algemeen klassement. Encore une moto de la police qui entre sur le plateau. Le peloton s'approche toujours. Ja, de ploegleider van Garmin die krijgt opdracht om natuurlijk ruimte te houden. En natuurlijk niet met de banden te gaan bemoeien. Auto's die worden geparkeerd. Die gaan er tussenuit tussen de koplopers en het peloton om de finale zo zuiver mogelijk te kunnen aanbieden. Dus een parcours. Les sept toujours ensemble, les sept toujours ensemble. Donc on se regarde, et voilà les coureurs. Il y a un coureur qui s'est échappé. Vier mannen van voren, meldt Martin Bruin, vier renners. Quatre coureurs en tête actuellement. Un coureur qui se trouve en tête. C'est Philippe Gilbert qui s'est échappé. Il 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 s